Yo les amis, c'est parti, c'est Mister Chageau pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo moment bête ou moment pause, je ne sais pas encore. Ou tout simplement, je vais me poser un peu comme un free time, un question time ou un sif à point où on va se poser, on va être tranquille, où je vais répondre à deux questions aujourd'hui et vous parler de l'actualité de ma chaîne. Vous avez sûrement dû remarquer, le moment de guerre, la saison 1 est terminée maintenant, pardon. Et du coup, la chaîne pour l'instant, elle stagne. Ça va être dur. Elle stagne et du coup, il n'y a rien depuis un mois, je crois. Presque un mois, oui. La dernière vidéo que j'avais fait, c'était pour justement pour la fin d'année 2015. Petite surprise avec le petit best-of. Mais voilà, c'était tout. Et donc depuis 29 jours maintenant, il n'y a plus rien malheureusement sur ma chaîne. Alors je vais vous commencer par parler des actualités de ce qui se passe. Alors commençons déjà par le nom de ma chaîne, Mister Shadow. Alors toujours, je suis toujours je fais toujours partie d'une autre chaîne qui s'appelle Les Bads, accompagné de mon ami, meilleur ami Jessimika, qui bon, pour l'instant pour quelques problèmes a dû s'absenter, mais on reviendra. Sur la chaîne des Bads, on est aussi sur notre chaîne gaming à nous, qui n'est pas encore faite, mais qui approche, qui est la chaîne Bad Boy Game. J'aime bien. Non, c'était pas ça. Bad Game Boy, voilà, pour faire un petit jeu de mots entre Bad Boy et Bad Game Boy. J'aime bien, j'aime beaucoup ça, mais surtout de la chaîne Mister Shadow. Alors Mister Shadow est un nom, Mister Shadow est un nom que j'ai beaucoup aimé, même si au début c'était d'abord Isaac Shadow, puis c'est passé à Axel Shadow et maintenant c'est Mister Shadow. Je sais, ça fait beaucoup de Shadow. Mais j'aimerais changer tout simplement parce que lorsque j'ai été faire un petit concours d'un truc, j'ai dit que je m'appelais Mister Shadow, ça faisait pompeux devant le public. Du coup, je voulais changer déjà ça. En plus, Mister Shadow, je trouve que ça, comment dire, ça fait un peu rappeur, ce que je ne suis absolument pas. Moi, je chante plutôt des chansons comme Le Roi Arthur ou Funny Beer ou encore Crazy Frog, si je dis pas de bêtises. Crazy Frog, pardon, Crazy Frog, j'y étais presque. Et du coup, j'ai décidé de changer. Je veux plus être Mr. Shadow, non. Mais j'ai choisi un autre nom. En un seul mot, comme Squeezie, Frigiel, Siphano, Fucano, comme beaucoup de youtubeurs, quoi, tout simplement. Du coup, ce sera tout simplement Tozuko. Petit prénom que j'aime bien, Tozuko. Alors, pour ceux que ça intéresse, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, est-ce que ça a une signification particulière, tout ça? Pas vraiment. Disons que. J'aime bien être le rôle d'un, j'aime bien être le fait d'être un acteur, je veux être un acteur en gros, mais en 2012 j'ai eu la chance d'être sur scène pour faire un petit spectacle, une petite pièce de théâtre avec des amis de la MJC de mon quartier tout simplement, et on devait jouer une pièce de Bernard Marie Koltès qui s'appelait Roberto Zucco. Le prénom du personnage c'était Roberto Zucco. Puis, un an après, et pendant jusqu'à 3 ans, je devais choisir un prénom car je jouais dans la série L'Abribus. Et j'avais choisi, comme j'aimais bien Roberto Zucco, j'ai repris le Robert en laissant le Tozuko derrière. Et maintenant, Tozuko est revenu, tout simplement. J'aime bien Tozuko, je trouve ça un peu mignon, un peu japonais en même temps, j'adore. Alors que Roberto Zucco, ça faisait plus italien, mafieux, tout ça. Alors que Tozuko. J'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous voulez que je garde Mister Shadow ou que. Salut. Ou que je. Viens. Tu veux dire bonjour? Voilà. Voilà. C'était Coralie. Ah!
Du coup, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je garde Mr. Shadow ou que je devienne Tozuko. Je ne sais pas moi encore. Moi, personnellement, j'hésite entre les deux, mais je commence à être un peu plus pour Tozuko, tout simplement. Autre actualité en ce moment, je risque, malgré les prochaines choses qui vont arriver sur ma chaîne, je risque de, quand même d'être pas trop là, tout simplement parce que je travaille sur mon film. Mon film qui est Le Tueur de Whitechapel. Si ça parle à certains, pas besoin de dire de quoi ça va parler. Juste que ce sera la version de ce que vous pensez en version des temps modernes. Tout simplement, je vous en dis pas plus, je n'ai pas envie de vous spoiler. Autre information, tu vas te calmer avec mon stylo, merci. Voilà. Autre information, avec mon ami Destructeur 57, je suis en train de faire deux vidéos gaming sur du Call of Duty, tout simplement. Mais je ne joue pas en mode zombie ou en coop pour juste tuer des gens. Je voulais faire un peu l'histoire, mais j'ai remarqué que ça pouvait être assez lassant, tout simplement. Et ben du coup, j'en ai fait que deux, les deux premières parties du jeu. Tout simplement, j'en ai pas fait d'autres, hein. Il n'y en a pas d'autres qui tournaient. Tu vas te calmer, oui. Non, 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 je joue pas avec mes écouteurs. Merci. Tu veux jouer avec tout, toi, hein? Il n'y a rien d'autre à moi sur le canapé? Bon. Comme je le disais, du coup, je n'ai fait que les deux premières parties. Rien d'autre n'est tourné. Rien pour l'instant au niveau Call of Duty. Parce que je voulais d'abord voir si ça allait vous plaire. Du coup, c'est une autre mission, en plus de m'aider à choisir mon nom. C'est de, dès que la vidéo gaming Call of Duty arrivera sur ma chaîne. Dites-moi si elle vous plaît, tout simplement. Comme ça, je ferai la suite. Si elle ne vous plaît pas, dites-le moi. Non, sérieusement, c'est important, dites-le moi. Ainsi, je pourrais faire carrément sur un autre jeu, un let's play plus captivant et moins connu. Je ne vous dis pas quel jeu. C'est une petite surprise. Autre information, oui, vous avez dû remarquer, le manga, la première saison est terminée. On me demande pas mal de mangas. Normalement, le mois prochain, mon manga saison 2 arrive, normalement, il n'y a pas de problème. Mais comme mon manga me manque un peu, je dois vous avouer, je vais faire un épisode 0 ou 10,5, comme vous voulez. Ça, à vous de voir comment vous voulez l'appeler. Moi, ce sera l'épisode de double 0 car j'aime bien. Et je vais pas vous dire sur quel manga ça va parler parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais ce sera, je ferai pas vraiment la présentation du manga, je vais plus râler dessus. Bon, certains me diront lorsque l'épisode sortira, ouais, c'est pas un manga, c'est un dessin animé, c'est un shonen, machin. Pour moi, vu le graphique maintenant que c'est un manga. Voilà. Quoi d'autre encore? Ah oui, les deux questions qu'on m'a posées aujourd'hui. Alors, je retourne la feuille car c'est dans le dos. Question numéro 1, est-ce que tu aimes les zombies? Je sais pas pourquoi on me demande ça, mais faut savoir que oui, on peut dire que je suis assez grand fan, bizarrement, oui, ça me surprend moi-même parce que oui, je suis un très grand fan de zombies, tout simplement, c'est assez flippant. Pas les zombies, hein, mais l'idée que j'aime bien, ça vient me sauter dessus en fait, tout simplement. Mais j'adore les zombies. Le mois prochain, je vais essayer de m'acheter les deux Left 4 Dead, même si j'ai peur d'être un peu déçu vu qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. J'adore les Resident Evil, j'ai un jeu. J'ai quasiment. J'ai toute la collection des films de Resident Evil, plus les films animés ordinateur. Pardon, je suis fatigué. Et oui, je suis un grand fan de zombies, et franchement, j'adore ça en fait. Merci de la question. Et autre question. Est-ce que tu aimes... Non, pardon. Quel est ton manga préféré en plus de Death Note et quel est ton personnage préféré dans tous les mangas Death Note à part? Jamais, il sait au moins que j'aime Death Note. Oui, parce que Death Note, c'est mon manga préféré. Ryuk, c'est mon personnage préféré. Non, Death Note, c'est mon manga préféré. Ryuk, c'est mon... personnage préféré. Non, j'ai eu peur de
m'emmêler les pinceaux. Mon manga préféré, mis à part Death Note, j'aurais bien dit Tokyo Ghoul. Je l'aurais dit si j'avais pas vu la fin de la saison 2. Alors, faut savoir que moi, je ne suis que l'animé et j'aime pas la fin. Tout simplement, je vous dirai pas ce qui se passe, machin, ce sera à vous de voir. Voilà. Du coup, quel est mon manga préféré? Oh, j'en sais rien. Je vais pas dire Naruto parce que la fin aussi, elle me déçoit. One Piece, Bleach, j'ai perdu fil, tout simplement. One Piece, je regarde encore de temps en temps comme ça. Mais ouais, mais Bleach, non, non, je suis totalement paumé. Dragon Ball, laisse tomber. Mon Dieu, attends, c'est quoi? Bah, vous savez quoi? La dernière question, c'était sur un truc de zombie. Bah, je vais dire High School of the Dead. C'est un manga assez intéressant que j'aime beaucoup. Que bon, il n'y a qu'une saison pour 12-13 épisodes, je crois. Et ben, en fait, il y a une contamination. Et pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui se passe. L'histoire commence dans un lycée où il y a des problèmes, machin. Et les zombies débarquent, tout simplement. Il y a une histoire d'amour. Je dois avouer, je vous préviens, hein, ceux qui ne connaissent pas High School. Chut. Ceux qui ne connaissent pas High School of the Dead, c'est du ecchi. Pas hentai, ecchi. Mais oui, quoi. Tu veux dire coucou? Non, je bouge pas. c'est du ecchi. Bon, il n'y a pas la scène de cul, machin. On voit de temps en temps des petites culottes, j'avoue. On voit 3-4 fois une paire de poitrines, c'est tout. Hein. On en a vu dans certains d'autres mangas hein, et on n'a pas râlé. Hein. Ok, Ranma demi, il y en avait eu. Dans Naruto, il me semble, hein, j'en suis pas sûr, mais il me semble. Hein. Dans quoi d'autre? Jeanne et Serge aussi, il me semble, dans Jeanne et Serge, les trucs du volleyball là. Alors voilà, tout simplement. Oui, c'est un manga que j'aime bien. Bon, j'aime pas pour les petites culottes, mais voilà, je suis en train de perdre le fil, je suis désolé. Du coup, voilà. C'était à peu près tout. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est à peu près tout, voilà. C'était juste pour les actualités. Alors, je répète deux, trois trucs. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je change, que je garde Mister Shadow, que je change en Tozuko. Dites-moi, enfin. Lorsque la petite vidéo, les deux petites vidéos de Call of Duty apparaîtront, dites-moi si vous voulez que je continue le let's play dessus ou que je fasse sur un autre truc. N'hésitez pas. Et du coup, voilà, c'était peut-être Tozuko. On va rester pour l'instant sur Mister Shadow. C'était Mister Shadow pour un moment pause. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Un moment pause. Pour les actualités, tout simplement. Je suis sur Twitter, YouTube, Facebook. N'hésitez pas à me suivre. Si la vidéo t'a plu, toi, j'ai envie de te tutoyer aujourd'hui. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, vert, toutes les couleurs sauf rouge. Rouge, c'est horrible, c'est pour le sang, c'est pour l'horreur. Du coup, laisse ça pour les mauvais, hein. Voilà. Voilà, du coup, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, c'était Mister Shadow. Je vous fais des big bisous. Elle aussi. Allez, dis big bisous. Big bisous. Bon, on va se laisser là. Elle me frappe toujours avec sa queue. Ciao les amis. Bisous.